Quand j'étais petit, je rêvais de devenir grand. Je rêvais de comprendre ce qui m'entourait. Je rêvais de dépanner ce qui ne fonctionnait pas. J'ai grandi, mes rêves aussi. Et c'est comme ça que j'ai découvert les métiers de la maintenance. Et maintenant, tu fais quoi? Maintenant, je suis devenu technicien maintenance dans le domaine du froid. Mais ça dure longtemps, ça? Ça paye bien? Bah, en fait, ça dépend. Ça peut aller de 3 à 5 ans, si tu veux faire un bac pro ou un BTS. Et après, bah, pour ce qui est de la paye, bah, c'est en fonction de tes compétences et l'entreprise où t'es. C'est à toi de te vendre. Quels sont les débouchés? C'est dur de trouver un patron? Comme c'est un métier de service, il y aura toujours besoin des techniciens de maintenance. Et ici, on a la chance d'avoir des formations en alternance, ce qui fait que tu as déjà un pied dans l'entreprise et tu as une certaine expérience. Et généralement, les apprentis sont embauchés à la fin de leurs études. D'accord, mais concrètement, c'est quoi ce métier? Si vous voulez venir visiter CFI, allons-y. Listen to the fever of the glitter bomb. Listen to the tingle of the sweetest bomb. Shaking her to be the drink of Peter. Bonjour Monsieur De Santos. Salut Sean, qu'est-ce qui t'amène? Bah, je suis venu avec des jeunes qui veulent découvrir un peu les métiers de la maintenance. Bonjour, pour savoir si vous avez un peu de temps pour nous expliquer ce qu'on fait ici. Vous êtes en quelle section? En classe d'IMA. En IMA ici, c'est Fille d'Orly. Oui. Très bien. Alors, vous voulez savoir ce qui se passe ici dans l'atelier? C'est ça. D'accord. Donc c'est l'atelier d'électricité. Hein. Dans l'atelier d'électricité, bah, les jeunes ils étudient, réalisent des équipements dédiés au métier du froid, ventilation, conditionnement d'air, cuisine et collectivité, c'est-à-dire les formations qui seront dispensées ici, au CFI, dans l'île. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, là? Et bah, par exemple, quand tu fais tes courses dans une grande surface, tu vas au rayon frais, produits frais, et derrière ces vitrines, il y a des appareils, des machines qui permettent, qui contribuent à maintenir ces produits au frais. Bah, ça, c'est un de ces appareils. Et celui-là, en plus, bah, il permet de faire des économies d'énergie. Mais tu m'as dit que tu étais frigoriste, mais je vois pas tes frigos. En fait, on a des ateliers froid mécanique si tu veux. On peut aller visiter, enfin si vous voulez aller visiter. Ça serait bien. Bah allons-y. Bah ici, c'est la salle froid industriel. Donc ça, c'est une chambre froide classique de conservation. Classique? Classique, ouais. Elle est de rentrer? Oui, bien sûr. Wow. Elle est super grande. Ouais. C'est quoi au plafond? Ça, c'est un évaporateur. C'est permet de produire du froid, entre guillemets. Salut Alex. Ça va? Ouais, ça va. Tiens, je voulais te présenter des jeunes qui veulent découvrir un peu les métiers de la maintenance. Ouais. Bah, je te laisse présenter le... Bonjour, je suis bien. Mario. Allô. Donc voilà, bah, dans le métier de la maintenance, en fait, on fait beaucoup de contrôle de fonctionnement sur des machines comme celle-ci en fait. Donc là j'ai fait plusieurs relevés de pression, température, un peu partout sur la machine pour vérifier son bon fonctionnement, qu'il n'y ait pas de manque de gaz à l'intérieur, que les intensités soient correctes, que tout fonctionne bien en fait. Et ça sert à quoi? En fait, ça sert à véhiculer un flux de frigorigène dans l'installation, dans toute l'installation, pour ensuite avoir une production frigorifique derrière. Comment t'as trouvé ce métier? En fait, c'était une belle journée d'été, je me baladais sur l'avenue et puis je suis tombé devant le CFI et c'est là que j'ai découvert que c'est là que j'allais réussir ma vie. Génial. Bon, en fait, la vérité, c'est un ami qui m'a présenté le CFI et c'est comme ça que j'ai découvert ce métier. Mais ton copain, il nous parlait d'entreprise. Ah justement, je suis aussi en entreprise, on fait les deux ici. Et justement, je peux aller te montrer ce qu'on fait en entreprise, si tu veux. Bah oui, ce serait génial. Bah, c'est parti, on y va alors. Listen to the fever of the glitter bomb. Listen to the tingle of the sweetest bomb. Shaking her to be the drink of Peter's drum. I got a high strength feeling like a beaver bomb. Donc voilà, je vous présente une chambre froide dans une application réelle. Donc là, on est dans un fast-food. Donc là, c'est le même principe qu'on a pu voir à l'école. Un système de régulation avec un affichage de la température qui nous permet de contrôler les machines frigorifiques qui sont au sous-sol, qui nous permet d'avoir une production frigorifique. Avec, on a un système d'alarme en cas si jamais une personne fait une crise et tombe par terre à l'intérieur de la chambre froide.
Il y a un bouton, il a juste à appuyer dessus qui déclenche une alarme pour que des gens puissent venir en aide. Et nous avons un enregistreur de température qui nous permet d'avoir une traçabilité de la température dans la chambre froide et de tout ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, là on a un système de climatisation avec c'est comme les chambres froides en fait, c'est le même principe. Donc là-dedans on a toute la partie régulation, donc la partie électrique. Et après là en dessous vous avez toute la partie mécanique avec les compresseurs et les batteries pour la production frigorifique. Donc c'est exactement le même fonctionnement que les chambres froides, sauf que c'est pareil, les températures changent. Mm-hmm. Et ça sert au confort des clients dans le restaurant pour maintenir toute l'année une température agréable. Donc maintenant on va descendre au parking, je vais vous montrer les eaux froids, ce qui nous permet de faire marcher nos chambres froides justement. C'est toute la production frigorifique qui est derrière, on va aller voir ça. Voilà, en entreprise en fait c'est là-dessus qu'on va faire toutes nos prises de mesures et nos contrôles de fonctionnement pour vérifier que la machine fonctionne bien en fait. Et c'est ici que tout se passe. La majeure partie de notre travail ça va se passer sur le compresseur, à poser des manos pour pouvoir lire des pressions, des températures, tout ça pour vérifier justement le bon fonctionnement de la machine, vérifier qu'il n'y a aucun souci. Vous faites que ça comme maintenance? Non, après on fait aussi de la maintenance curative. S'il y a une panne qui intervient malgré la maintenance préventive, bah, on intervient pour la réparer le plus rapidement possible. Bon alors cette journée, vous avez trouvé ça comment? Cette journée s'est très bien passée, puisqu'on a pu voir ce qui se passait au centre de formation industrielle, puis en entreprise à l'extérieur, dans la vie. Oui, puis ça donne envie de continuer ses études dans cette voie-là. Ça donne vraiment envie d'aller travailler chez les différents clients, de voir d'évoluer dans le métier et vraiment aller le plus loin possible. Et puis ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a tout le temps des débouchés, qu'il n'y aura jamais de crise au niveau de ce métier. Moi je suis content de vous avoir fait découvrir ce métier et j'espère vraiment qu'on se reverra prochainement chez un client. Pareillement. Pareil. Bonjour, vous allez trouver du travail ici. Ici, c'est l'alternance, c'est très très bien. Rentrez au CFI. Attends, quels sont les débouchés? Non, mais c'est lui. En fait, c'était une belle journée d'été, je me baladais sur la avenue. C'est pas mal. Oui, comme l'a dit mon camarade. Like a